monsieur qui n'a pas. Non, 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 mais il pouvait pas. Il avait des choses de prévu. Non, ah, mais blague à part. Mais c'est vrai qu'il nous manque 2-3 joueurs pour être au total. D'excellents joueurs. Hein, à Lyon, à Paris, évidemment. Tu es à Lille. Très bons joueurs. Je suis impatient de les voir en compétition. Et l'étoile montante du Maroc, aka Frionel Sama. Ah, mais lui, il est invincible. Il est invincible avec sa team. Lui, il avait compris. Non, pas, c'est vrai que c'était le premier à avoir compris la schnapsry de Sal et Vegeta, même avant la sortie du jeu. Hein. Bah ouais. Et il essaye de dire que c'était ses persos du cœur. Bah, il n'y a pas de ça. Allez, en tout cas, on est parti dans ce match. Miyaku, encore une fois, avec son Trunks, il était pas loin de tuer Conkster. Ouais. T'as vu, RZA, tu vois, qui presse, hein, c'est bien joué. T'as vu, il a les pressings avec les boules de Bilus. Et ça fait plaisir de voir un Bilus à ce niveau. On a vu beaucoup de Bilus du live auto-comboté. Et là, on voit que c'est pas de l'auto-combo ce qu'il fait, c'est du vrai combo. Oh là là, mais t'as vu, il fait Ultimate Z Cancel, ça. Pour changer de perso en fait, et faire le combo. Demi-cercle arrière. Oui, c'est ça. Demi-cercle arrière sans que t'aies besoin de faire super. Ça permet de changer. Et ouais, t'as pas ça. Besoin de cramer une barre. Ah, c'est une mécanique du jeu. C'est tellement stylé. Ouais, je pense que ça va être RZA un bon match. Qui est bien, surtout qu'il y a un sel. Combat de Kamiya, t'as vu, il zone. C'est très important. On a vu beaucoup de joueurs, si tu veux, dans ce jeu. Ouais. Juste agresser avec assist, etc. Et on voit qu'à très haut niveau, hein, que ce soit des joueurs comme. Comme White Black ou Luffy qui a bien senti le truc, RZA, c'est quand même très important de comprendre le zoning du jeu, qui sera des éléments essentiels. Qu'est-ce qui bat quoi, comment zoner, comment faire chier. Et on voit que Luffy, même avec ses premières expériences, fait déjà chier. Ouais. Et je pense que c'est très important de faire chier, si on peut passer l'expression, dans le jeu. Il y a différentes façons, tu vois. Et regarde, et voilà, assistes, activation, hein, potentiel. Banning the pack. Allez, pour l'instant, finalement, on sentait bien RZA, tu vois, mais. Miyakyo qui gagne quand même, hein. Il faut tuer dans le jeu quand tu ouvres un perso. Ah oui, oui. C'est pour ça qu'aussi quand tu ouvres, faut Lokizem. D'ailleurs on a vu, hein, Luffy, tu vois, il utilise pas ses barres, il faisait instant air dash, nanani, des fazouilles. Il faut fazouiller, hein, du verbe en anglais, tout fazouille. Tout fazouille. Ça, non, ça se dit pareil, I fazouille, you fazouille. Nous fazouillons. Et c'est un verbe irrégulier, oh là. C'est phase off. En... Qu'est-ce qu'il a fait là, j'ai pas compris là. Voilà. En tout cas, oh là, la shop. Très très bien joué, hein, la shop derrière la 6 Gotenks. Et en tout cas, c'est reparti pour Miyakyo. Regarde, il va mettre en bas, burning attack. Bon, il peut tuer. Non, mais il va tuer. Si là, il met la level 3 de Gwen. Mais il a raison, ça tue. Bah oui, non, ça tue. Attends, ça c'est quoi ça, ça mais tue. Non, il s'est pas transformé en Super Saiyan, Gohan, c'est quoi ce délire? Il a fait un Kamehameha normal, regarde, il a pas les cheveux blonds. C'est la version Z ultime. Mais non, il est. On verra les refs. C'est parce qu'il y a Gotenks en fait dans sa team et il n'y a pas Goku, il le fait tout seul. C'est pour ça, c'est parce que comme il a Gotenks, il se transforme pas en Super Saiyan. Est-ce que à ton avis c'est canon déjà? Parce que le film 10, où il a cette couleur de costume et il fait ce Kamehameha contre Broly 2, il sert tellement à rien ce film. Allez, en tout cas, c'est parti, en tout cas, voilà. Allez, c'est parti. Pour le combo de Cell, il va choisir quelle option? Il va choisir l'option de viens dans mes bras avec la level max derrière. Donc en fait il a fait arrière, car arrière spécial en l'air. Ça tue pas. Il a pas pris la bonne derrière le big. Dash car avant, c'est sans pitié. Il est tellement stylé. L'option viens faire un bisou. Non, c'est viens faire un bisou ce coup en fait, il s'appelle. Allez, pour l'instant, le pressing qui finit pas. T'as vu? Et il met ses pattes pour passer derrière. Bien joué. Et là t'as vu, il met en entier, il cherche à taper en bas. Et il faut pensant qu'il reste en garde. C'est dommage. Et Miyakyo qui reste en garde. Miyakyo contre Luffy, il prend 10-0. Hein. Comme il reste en garde. Ah c'est beau ça, j'aime beaucoup. Cette phase avec Trunks, c'est très très rare, ça rate un petit peu derrière. Attention, il aurait pu la mettre là. Il met le sparking évidemment pour rester en vie, il a raison, hein, là-dessus RZA, il peut complètement tuer RZA, hein. Il a le sparking. Et je sais pas, non, il a pas assez de barres pour le tuer je pense. Ah, il va avoir la level 3, hein. Non, ça remonte. Il a trop d'énergie, mais il se tape. La garde est bonne, hein. C'est tapé Pedia. Oh là là, la garde. La garde. Oh là là, dans la glissade. Oh, il va prendre très cher là. Voilà. Ouais, mais bon, il a plus de sparking face à un Gotenks qui m'a l'air d'être le meilleur perso quand même de Miyako, hein, de ce qu'on a vu tout à l'heure. Mais tu sais que Cell sans sparking il fait 7000 sur une touche, hein. Ouais, mais bon, on va voir s'il y arrive à le faire, hein. Allez, non mais j'avoue que quand même avantage à Miyako, hein, sur cette fin de match. Et RZA qui a quand même mis 3 phases avec Cell. Allez, aïe. Alors on va voir ce qu'il va choisir comme combo. Il a 5 barres. Il choisit de prendre le... Non, il aurait dû taper. Non, il aurait dû lui faire mal tant qu'il n'avait pas de sparking. Ouais, mais regarde là, regarde. Aïe, ça peut se dropper encore. Oula. Voilà, ça devient. Il va le tuer. Il met la level 3, il faut même pas réfléchir. Faut pas qu'il rate. Non, y'a rien à rater. C'est terminé. Et 1 à 0 pour Miyakyo, très beau match. Hein, ouais, c'est un beau match là, pour le coup, c'est un beau match. Beaucoup plus dynamique. Aïe.
Très bon match hein, pour l'instant, Miyakyo hein, qui prend, mais c'était pas gagné, hein, il a très bien joué quand même RZA, c'était... Ah ouais, ouais. RZA, c'est marrant parce que Miyakyo qui est un joueur de street, un très bon joueur de street, et RZA qui vient rendre la communauté Mortal Kombat, et ça fait plaisir de voir toutes les communautés françaises du jeu de combat qui s'unissent ouais. pour jouer dans l'amitié, oh, parce ouais. qu'évidemment il n'y a pas d'histoire d'argent, c'est que pour l'amitié à Dragon Ball FighterZ, et c'est ça qu'on aime, le plaisir du jeu. Allez. Allez. Pour l'instant, en fait, il est pas mal hein, ce petit bonus. Bah, c'est marrant parce qu'il joue pas du tout ça avec les boules arrière de Beerus, là où il peut en invoquer 6. Alors c'est sûr que ça prend. Non, il temps, a des setups. Hein. Regarde, setup. Avec, il se sert de l'assist cell pour continuer à presser. Voilà. Et, mais ça, c'est pas safe quand il console. Et ça sert à rien. Il s'arrête pour mettre une boule, c'est pas vraiment safe. Et ça sert à rien. Hey, ah là hey, là, hey, le Gohan qui va tuer. Le Gohan qui tue. Hey. C'est tellement de dégâts, Gohan. Ouais, ça va durer un Miyakyo qui m'a l'air quand même un. Un petit légèrement, peu ouais, légèrement, un petit mais peu un peu, parce qu'il a un c'est sel. Pas hein. grand chose, hein, pas il grand a un chose. Sel hein, quand même, notre ami RZA. Ça fait... Et Goku sel, ça reste une combinaison. Hein. Regarde, c'est top, bah, c'était bien joué, mais il a une garde Miyakyo. Téléport, pas tapé derrière. T'as vu, il backdash derrière. Malgré ce que Clockster lui a mis, pour pas prendre le ouais. backdash. Bah oui, parce que Clockster il le voyait reculer, il tapait dedans, il n'y a pas d'histoire. Hein. Oh là, l'assist Trunk hein, qui a sauvé un petit peu cette pré-attaque. Oula, le vanish hein, pour safeiser. Point. Et il se croit Chun-Li. Ouais, Chun-Li j'avoue, il a fait 5, les 1000 pieds, hein. rien de Chun-Li. Il a fait les 1000 pieds de Chun-Li. Hein. Ah là là, il l'envoie. Bon là, il va le tuer là-dessus. Hein. Il va le mettre au sol. La descente. Potentiel unleashed. Le... C'est quoi déjà, comment il s'appelle? Masakenpo. Je sais plus comment il s'appelle, le Trunks, là, sa furie. Le Burning 1. Attack, là. Ouais, c'est le Burning Attack, mais en japonais, il dit aussi Burning Attack. Bah, il dit Burning Attack. Ouais, j'avoue. Mais il le dit depuis Super Buto Den 2, hein, je te c'est signale. C'est ça. Hein. C'est dans la gare, ça, non? Ouais, c'est dans la gare, je crois. Ah non, ouais, il a passé. Mangé, qu'est-ce qu'il a fait? Mais pourquoi? Pourquoi il a mangé? Il a voulu... Bon, je sais pas, il a vu l'avenir, RZA. Oh, oh, il met des bas points dans les super il dash. Met des bas comme oh oui, ça, monsieur. Dans les super dash, ah oui, je mets des bas points dans les super dash. Ah là là, ah, ça, ça c'est... Okay. Ouais, ça, ah, c'est bien joué, hein, meilleure hein, phase. Il y avait le vanish, hein, très bonne utilisation. Pour l'instant, il y a... c'est surtout Miyako hein, qui utilise beaucoup le vanish. Ah merci, le vrai loop de sel, ça rate pas. A... Oh merci, merci de faire le vrai loop de sel. Oh là, il a mis t'as vu la barre hein, avec, ouais. une ba- avec une barre. Hein. 50%. Aïe, aïe, aïe. Erg, Zlep, Zbek, Zmek. Oh, il rate. Ike. Ah là là, il lui met la max là. Allez hop. Allez. Il choisit, viens faire un bisou. Et il met Kamehameha. Bah ouais, c'est garanti. Hein. Pourquoi prendre le risque? Et il tue. Viens faire un bisou. Ah là 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 là. Deux persos partout. Deux persos, ah non il lui reste que son sel encore. Ah ouais, Miyako qui est toujours très très avantagé à chaque fois. Le Gohan adulte hein, qui est en train de faire les dégâts de base. Il y a le petit drop, utilisation du sparking, le bash fait immédiatement pour punir ce super dash. Attention, le sparking qui permet de remonter assez aisément la barre, la choc qui passe. Ouais, il a 3 barres hein, le sel, il a 3 ouais. barres. Il... Ah, il... Oh là, oh, dragon, ah, dragon X. Ouais, c'est le Shoryu qui met d'ailleurs contre ouais. sel qui lui fait vomir ses 18. C'est ça, mais il était ado. Il était ado, mais il l'a jamais lâché. Hein, ça. Ouais. C'est pas un truc de gosse en fait. Hein. Aïe aïe aïe, le sparking qui est assez puissant. Oh, il est bien ah, level 3. Stylé ça. Est-ce que ça tue, tu penses? Il est en sparking? Je suis pas sûr. Non, 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 il est en sparking, ça va pas tuer. Oh là là, mais là il l'est plus. Ah, il est oh, plus chopé, hein. Chope nature, hein. Chope sur la relevée, il a tenté une dragon et Luffy. C'est terminé, non, Luffy Rush, pardon. Luffy Rush. Oh, le petit passage là. Et 2-1 ouais. pour. 2-0, pardon. 2-0, pardon. 2-0 pour Miyakyo. Les joueurs, sans plus attendre, tout de suite maintenant. C'est dommage, hein. Faudrait qu'il nous montre quelque chose de plus poussé avec son Beerus. Bah, je pense que forcément, on sent quand même qu'il a des phases, hein, RZA, mais que c'est compliqué pour lui contre Miyakyo qui a vraiment rodé son équipe hein, et que, avec une vraie belle synergie. Hein. Gotenks en 3, ce qu'on n'a pas beaucoup ouais. finalement, la petite voix. T'as vu ouais. avec l'assist Gotenks qui permet de faire des combos. Mais ça, c'est trop stylé. Et t'as vu, il conserve son super dash pour aller le faire derrière. Pouah, il fait même la toupie. Là, c'est bien joué. Ouais, ça, c'est la, on l'appelle la toupie d'Inception. C'est l'Inception, c'est celle à la fin du film, tout ça. Qui fait contre Freezer tout ça. Allez, en tout cas oh c'est parti. Tellement voilà, vite ça, oh, c'est il magnifique a tué, là. Oh il a raté. C'est magnifique pour l'instant, Miyakyo. Pouah, il rate rien. Là il joue de mieux en mieux. Mais il avait fait la même chose en Salty Arena, il avait été envoyé en loser qu'il avait remonté pour aller quand même en grande finale. Miyakyo c'est un mec des losers, hein, c'est pour ça. Tu crois? Oui, il lui faut la pression. Il n'y a pas eu le confirme. Les bons pressings là avec assez ah, bien joué, bien puni hein, par le vanish, c'était ce qu'il fallait faire. Aïe, 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 ça aïe, arrête aïe, aïe, jamais. Ça arrête jamais. Il n'y a pas de réflexe. Hein. Et il a le même coup que Tenpo. Tenpo là. C'est une Tenpo ça. Un petit dragon X. Voilà. Et voilà, et ça passe. Et quand ça passe, c'est... ça envoie.
Aïe, aïe, aïe. Alors, il choisit d'aller chercher le pressing avec le Luffy Rush derrière. Il faut lui mettre le loop là. Non, non, il a pas besoin. Il a juste à. En fait, je pense qu'il veut pas rater, donc il choisit des versions assez simples qui vont rabattre Gohan au sol. Mais en fait, ça le retombe en même temps. T'as le pressing. Voilà, toi, mais il y a mieux à faire. Clairement, là dans le coin, je pense qu'il n'optimise pas. Ah voilà, viens faire un bisou et la level 1. Ça te dit. Il rattrape un petit. C'est deux barres quand même, ça, et ça enlève pas tant que ça. C'est pour ça que. En fait, t'as mieux quand t'es en l'air, tu peux faire le combo avec Bahem, Vanish, et tu vas envoyer dans le coin après le S. C'est un petit peu mieux, il y a mieux à faire. Oh, dommage, c'est un petit peu loupé. Il a utilisé ses deux assists pour le coup, là, notre ami RZA, mais il a pas réussi à rattraper. Il est devant quand même, en fait. Là, il rattrape. On pionce. Mais il a deux persos, enfin, il reste que deux persos, Miyako. De celle qui est en train. Viens faire un bisou et level 3. Ah non, level 1, il va taguer. Voilà. Là, il est level 1. Enfin, il met toute la famille. Ça tue pas. C'est dommage, il a pas mis Goku. Bah, je sais, il a pas. Oh, la boule en haut. Ah, bah, ça tue. Virus qui tape en bas. Il reste Goten. RZA qui lâche pas et c'est très bien. À chaque fois qu'il fait le quart arrière boule avec Virus, il appelle l'assist de Cell justement pour le protéger. Ça va être compliqué pour Miyako. Hein, parce Quoi que. Oh, non, c'est chaud. Tu crois? Ah, ouais. 3 persos, c'est dur. Hein. Surtout qu'il a un Cell qui est relativement chargé. On va voir. Pour l'instant, c'est surtout Vanish contre le bas. Je sais pas si Goten c'est un gros perso de comeback. Hein. À voir. Et sa level 3, elle fait pas très mal. Hein. Non. Mais bon. Pour l'instant, il a déjà éliminé Virus. Oh là là, le ride était bon. Malheureusement, il n'y a pas la punition là-dessus. Il a gardé. Oh ouais, d'accord. Combat de. Il a réussi à faire tège notre ami Cell pour pas subir. Oh, le pif qui passe. Bah voilà, c'est la fin des haricots. Quand ça passe. C'est... Oh là là. T'es soulé dans ta tête. La première fois que c'est arrivé, c'est contre Janemba, ça, non? Non, pas Janemba, pardon. Non, Hildegarde. Tapion Hildegarde quand tu fais le. Tu sais, il vient avec la patate. Oui. Stylé, ça. Mais de toute façon, il met patate dans la plupart des films, hein, si tu réfléchis bien. Il a mis patate à Broly. Broly, hein, aussi, il met patate à Broly après le game. En fait, c'est la vraie patate du forain, c'est Goku qui l'a inventé. Hein. Aïe aïe aïe. Le Gotenks. Ah, c'est vrai, c'est pas la première fois qu'il le rate. Ouais, je sais pas, c'est quoi cette variante. Ça doit être assez relou. Non, mais il met un H, je pense, dedans et c'est un. Ah, c'est bien joué ça. Avec Confirm Vanish, rate pas. Non, c'est la distance. Je pense qu'il est un peu loin en fait. Il rate le dash avant en fait. C'est donc ça connecte pas. Il est pas mort, mais tu vois, il perd le. Ça va être très compliqué, hein, sans sparking. Ouais, la toupie d'Inception. Oh, il en a rien à foutre. Oh voilà, oh, c'était en bleu. Hein. Ah voilà. Là, il y a punition ratée encore une fois. Aïe. 2-1. Miyako qui s'est un petit peu fait. C'est le sel qui lui a fait très très mal. Hein. Alors donc en fait voilà, le problème hein, c'est vraiment. On peut voir hein, ce sel qui fait extrêmement mal hein, dans la team de RZA. Le Bilus qui se fait souvent laver, mais là on va peut-être voir des faces parce qu'il a les deux assists, il est dans le coin, qu'est-ce qu'il fait pour activer? Il cherche le Luffy Rush, ça n'a pas marché, le Vanish ça se récupère un peu, quoi il a fait. J'ai rien compris. T'as vu le pas MP de Bilus? J'ai rien compris, mais c'est pas grave, l'important c'est que ça gagne. Oh là là, il a voilà, dit... ça permet d'aller rabattre, mais là, la super il a pas, derrière. Il manque la barre. Il manque une barre pour. Bien joué. Ah c'est bien joué, mais RZA qui revient contre Miyako qui psychologiquement là qui perd hein, finalement son Trunks qui est un petit peu atteint dans ce match, le numéro 2 de la Satyrana, c'est bien joué. Allez, c'est parti, un petit Luffy Rush. Ah il rate l'inratable là quand même là, c'est un peu moche avec celle derrière RZA qui joue de mieux en mieux, mais qui va perdre son but. Allez. Miyako c'est bien, hein, il remet un petit peu les pendules à l'heure, je vous rappelle qu'il y a balle de match pour Miyako. Match de balle, de match. Miyako-sama qui peut complètement revenir TP, ne pas taper derrière, mais tout le monde s'en fout. Ouais. C'est pas bien grave. Et ça tue. Ça va tuer là de Miyako. Enfin, ça va pas tuer, mais il va faire très 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 mal avec le Gohan adolescent. Voilà, derrière, tu mets le bas pour remonter à temps. Ah, mais les fantômes, c'est bien joué ça. Les fantômes de la destinée et rien. Bah, s'il avait un troisième perso, normalement il y a des secrets pour continuer le combo. Bah oui, c'est ça. Allez, là voilà, là il le rate pas. Avec l'anneau du Seigneur des Anneaux derrière. L'anneau ultime. Par contre, ça enlève rien du tout. Hein. Oui, mais c'est joli. Ouais. C'est ça qui est. C'est important que ce soit joli. Voilà, l'anneau de la mariée. Kamehameha. Pouah, ça touche ça. C'est le Vanish, hein. Faut qu'il change.
Ah, il a raté, il a mis la 6 Goku, du coup Cell hein, pour l'instant. Elle a gardé là, parce que Scoop qui finit en casse-garde. Ouais, et puis il a mis 50 coups en casse-garde. Ça s'est bien joué. Allez, le vanish. Ah, oh, non, mais raté. Non, faut tuer là-dessus. Tu peux pas, bah il est en. Non, il est en Spark. Mais quand même, il faut pas le laisser pas. Vivre, c'est pas bien ça. Waouh, c'est bien joué. Bah oui, c'est bien joué parce que ça touche devant derrière. Ah oui, bien sûr, mais je pensais qu'il avait mis la garde, pas du tout, il a essayé de taper. Allez, et voilà, il a tapé derrière le vanish. Et ça, ça fait encore, ça c'est vraiment les trucs des one, hein, le vanish. Allez, les fantômes de l'imprévu. Il est Gohan qui est level 2, bon c'est pas encore, c'est pas la folle arrière. Pouah, ça y est, pouah, le Dragonz. Le Dragonz, voilà le Goku. Le Goku de Herzella qui est pas si mal, hein, et le Cell qui reprend, qui a pas beaucoup de vie à reprendre, mais qui revient en tant qu'assist. Il est quand même pas si bien que ça, Herzella, hein, là, il se fait ouvrir. Miyako qui a juste à gérer pour aller tuer parce qu'il a plus de sparking, c'est ça. Du côté du joueur de Mortal Kombat, et c'est ça qui va être très compliqué. Ça, c'est dans la garde. C'est bien bloqué. La garde est il a bonne, une garde, hein. Miyako, il a une garde, il vote tous les cases garde. Et le pif gagne. Et c'est ça qu'il faudra retenir de ce match. Oh, ah, ça rate. Mais comment, pourquoi? Ah, c'est bien joué. Il le tue. Non, mais là ça tue. Là ça tue, y a pas d'histoire. Y a rien à rater. Voilà. Ah, ça va être dur hein, quand même. Là, c'est. Je pense que sans vouloir m'engager, il est possible que Miyako gagne ce combat. Il est même. Bah oui, c'est très compliqué. Hein, allez, faut pas lâcher Herzella. Non, mais faut pas lâcher. Hein. Tant que t'es pas mort, t'es vivant. Et ouais, t'as raison, il se transforme pas. Il se transforme pas parce que Gotenks, il est là. Oh, le clash. Pouah, le clash. Clash of Titan. Oh là là. Et il est pas mort. Ouais, ce bon. Cell, non, il est pas mort. Gotenks il... full life, Sparking, même s'il a quasiment une barre bientôt. Oui, mais techniquement, il est pas mort. Herzella qui lâche pas, il a raison. Hein. Est-ce qu'on peut voir du vrai true comeback? Peut-être le vrai premier true comeback. Ah, il est en Sparking, c'est chaud parce qu'il peut, il peut pas le tuer en un combo, c'est-à-dire qu'il va devoir lâcher. Ah, c'est terminé. C'est terminé. Et victoire de Miyako qui se qualifie pour la suite de ce tournoi 3-1. Chers amis, nous allons faire une petite pause avant de reprendre. Merci de nous suivre. Et à la reprise, je pense qu'on va attaquer donc les demi-finales oui, de winner. La Winner Bracket avec du White Black Silvius Sama et X Over Kyrgyzstar. Ce match Over Kyrgyzstar, je pense qu'il va envoyer. Du pâté. Ouais, je pense qu'il est. Et du coup, on passe en FT18. Ah, je déconne. On prend la pause.